Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va parler du jeu de cyclisme Pro Cycling Manager 2020 qui va sortir le 4 juin 2020, mais le jeu a proposé cette année, pour la première fois de son existence, la bêta de Pro Cycling Manager 2020 en avant-première. Dès maintenant, on peut s'inscrire jusqu'au 9 avril pour tester le jeu tout simplement en avant-première. Pour cela, vous avez un lien par exemple ici pour vous inscrire. Je vous le mettrai en lien de description de cette vidéo. Il faut vous inscrire par contre avant le 9 avril, la team. Vous avez donc un lien pour vous inscrire. Et vous pouvez vous inscrire pour jouer en avant-première à Pro Cycling Manager dès que la bêta va sortir pour tester le jeu. Pro Cycling va tout simplement prendre tous les retours pour essayer d'améliorer au maximum le jeu. Et c'est un petit peu un nouveau concept cette année qui est plutôt pas mal et plutôt bienvenu. Donc moi je me suis inscrit, donc je pourrais vous faire des vidéos en avant-première sur Pro Cycling Manager 2020 pour analyser tout simplement les nouveautés, pour voir également la jouabilité, comment elle s'effectue, les graphismes, tout ça. On fera tout un bilan là-dessus avec une playlist qui sera associée. D'ailleurs, la première vidéo de la playlist sera celle qui sera celle-ci, donc tournée aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir suivre tout ça et donc activer la petite cloche des notifications et liker la vidéo si ce type de vidéo peut vous plaire, tout simplement. Et donc on va faire une série de vidéos sur Pro Cycling Manager 2020 avec la bêta. Et puis bien sûr, dès que le jeu va sortir, on l'achètera comme chaque année pour faire tout simplement les plus grandes courses qui sont les trois grands tours qui sont déjà Tour d'Italie, Tour d'Espagne et Tour de France. Puis dans l'ordre au niveau de la saison, c'est normalement Giro, Tour de France, Vuelta, perturbé cette année 2020 en raison du coronavirus. Et donc là, ça c'est la certification que je me suis enregistrée tout simplement, inscrit. Donc je recevrai par email tout simplement un message de Pro Cycling qui me permettra d'installer, on va y arriver, la bêta et donc de pouvoir tester en avant-première ce jeu. Et donc voilà quelques spécifications sur les sites internet et le lien est très facile à trouver hein, si jamais vous voulez. Puis je vous le mets bien sûr en description. C'est quand même un peu plus pratique pour pouvoir s'inscrire. Donc voilà, je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis je voulais vous annoncer tout simplement qu'on testera Pro Cycling en avant-première. Je voulais juste préciser qu'il faut quand même un compte Discord et indiquer son compte Steam pour pouvoir s'inscrire avec indiquer les pseudos à chaque fois. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!